les filles étaient heureuses avant qu'on ferme les maisons. Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession. Mais un jour, quelle horrible chose, une nommée Marthe Richard décida que deviendraient closes les portes de nos bobinards. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Oui, ce fut un immense drame, songez qu'à cette époque-là, des claques il y en avait, mesdames, partout dans la France à papa. Même si ça vous scandalise, notre pays en était plein. À Colombes et les deux églises, la troisième s'en était un. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Dans les maisons, je vous l'assure, c'était pas du boulot bâclé, mais du travail fait sur mesure, des trucs et des spécialités. Car la main devrait être parfaite, y'a que dans les maisons qu'on trouvait le demi-tour sur la carpette et le petit train japonais. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Puisqu'il faut construire l'Europe et des pays faire l'Union, il faudra bien qu'on développe le tourisme dans la nation. Ah, que celui qui nous dirige agisse donc avec raison, car le marché commun l'oblige à faire rouvrir les maisons. À rouvrir.